Bernard, Cynthia. merci d'être là. Un plaisir de te recevoir comme troisième spécialiste officiellement sur ma chaîne de vlog. Ben merci. Mais merci à toi. Puis j'aimerais ça que tu te présentes peut-être un peu. Je l'ai fait au début du vlog, mais si tu veux ouais, plus officiellement dire qu'est-ce que tu fais de ton temps ces temps-ci. Ouais, ben je suis nutritionniste. Oui. Mais je suis auteur aussi. Oui. Fait que, je travaille vraiment en communication. Ouais. C'est vraiment pas. J'ai pas le métier traditionnel de nutritionniste. De pratique, de recevoir des clients. Exactement, pas du tout. Puis j'ai jamais fait ça de ma vie, en ah, fait. Okay. Ma carrière, ça a toujours été en communication. Ouais. Fait que j'écris pour des journaux, des magazines. Je fais des chroniques à la télé, à la radio. Ok. Puis j'écris des livres. Ouais. Puis j'ai un blog. Oui. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment de communiquer puis de vulgariser la Oui. science de la nutrition pour le public. Exact. Avant de passer aux questions officielles de mes abonnés, je sais que ton message, je pense, pas mal depuis le début, c'est de réduire sa consommation de viande. Je sais que les vegans aimeraient que tu dises de tout arrêter, les végés, tout ça, mais moi, je suis quand même en accord avec ton message parce que, comme tu le dis, les gens, souvent, naturellement, ils vont finir par plus en manger de la viande. Fait que ça a quand même un impact positif. Mais c'est ça, ton message, ça a tout le temps été, je pense, de réduire. Puis t'es pas le seul à le dire, tu sais, l'ONU, tout, il y a beaucoup de gens qui le disent depuis des années, mais j'ai l'impression que l'information se rend pas nécessairement jusqu'aux gens. Fait que pourquoi, selon toi, on devrait réduire notre consommation de viande? Pour beaucoup de raisons. Oui! Dans le fond, comme ça, on se remet comme à la base. Pour manger de la viande, il faut que tu produises des animaux. Il faut les Oui, élever. oui, oui. Fait que pour être capable de les élever, il faut que Ouais. tu les nourrisses. Ouais. Puis pour les nourrir, donc, il faut cultiver de la nourriture animale, qui est Ouais. quoi? C'est des céréales, Ouais. puis du soya, tout Ouais, ça. ouais. Fait qu'il y a un grand pourcentage des terres agricoles en ce moment. Oui. C'est estimé à peu près les trois quarts Ouais. des terres agricoles sur Terre. C'est ce que C'est j'ai vu. juste pour produire la nourriture pour nourrir les animaux. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça demande énormément D'énergie, de ressources, d'énergie ouais. exactement pour être capable de les produire. Ouais. Puis donc, quand tu manges de la viande, quand tu manges un steak, Ouais. mais lui, dans sa vie, cet C'est ça. animal-là, il a mangé là, des kilos et des kilos et des kilos de céréales qui ont demandé des pesticides, des Ouais. engrais, qui ont demandé du sol, du temps, de l'eau, tout Ouais, c'est ça. ça. Donc, c'est pour ça que quand tu manges de la viande, c'est super concentré en énergie. C'était correct qu'on n'était pas beaucoup sur Terre, Ouais, puis qu'on mais. mangeait peut-être moins de viande, hein. Il y a des époques que c'était réservé aux riches, là, la viande. Ben Puis oui. la consommation de viande a comme jumpé, là, dans les dernières années, là, puis... Faut comprendre que pourquoi on a commencé à manger plus de viande, c'est à Ouais. cause de l'industrialisation du système agroalimentaire. OK. C'est ça qui a réussi à diminuer le prix de Ouais. la viande. Ah. Parfois qu'on a commencé à avoir justement les engrais, les Ouais. OGM, les Oui. pesticides, qu'on a commencé à industrialiser les chaînes. Tu sais, t'as Ouais. sûrement déjà vu des images de, tu sais, comme une usine avec comme des poulets accrochés les uns après Ah les autres. Ça, tu sais, ouais. c'est industrialisé. Ouais. Fait que ça a permis qu'on avait beaucoup plus de viande qui pouvait être produite, un coût qui était moins grand, donc plus de gens pouvaient en manger. Je Mais comprends. oui, dans le passé, ça coûtait Ouais. vraiment plus cher parce qu'il y a beaucoup de ressources. Mais quand le prix a diminué, la consommation a beaucoup augmenté dans les pays industrialisés, bien sûr. OK. Mais là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'il y a plein de pays qui sont en train de Ouais, s'industrialiser. ouais. Donc en Chine, Ouais. puis en Inde, par exemple, où ils sont collectivement des milliards de Ouais. personnes, Ouais. ben ils commencent à avoir une classe de gens qui ont plus d'argent, Ouais. donc sont capables de se payer donc cette viande-là, Ouais. et donc la consommation de viande est en train d'augmenter dans ces Ouais. pays-là, où est-ce que Oui, historiquement, ils en avant, pas mangeaient un tant petit peu moins. ça. Ouais. Puis c'est vraiment ça le problème, c'est juste qu'on est trop d'êtres humains sur Terre Ouais. pour tous manger autant de viande qu'on l'a fait. T'sais, jusqu'à C'est ça. présent, Je comprends. c'est juste qu'on vit sur une planète parce que les Ouais. ressources sont La Terre finit limitées. plus, là. Exactement. Fait Ouais. que c'est impossible de produire assez de Ouais. viande pour tout le monde, aux quantités qu'on en mange Ouais. présentement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de là un peu que vient l'espèce Ouais. d'intérêt de consommer moins de Ouais. viande. C'est parce qu'on sait qu'on est sur une planète où les ressources sont limitées. On utilise, t'sais, je sais pas, une surprise qu'on a plein de problématiques environnementales présentement, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, on pollue notre eau, notre air, notre sol avec tous ces produits-là. Donc, manger moins de viande, c'est une des solutions qui est mise de l'avant pour essayer de combattre ces problèmes Ouais. environnementaux-là. Puis c'est fun parce que là, d'aborder comme tout le côté justement que l'animal pour. Tu sais, l'animal que tu manges, il a besoin de lui de consommer beaucoup de choses, c'est qu'il soit un beau gros porc ou whatever. Mais tu sais, souvent les gens, quand ils parlent du climat et tout, ils vont parler des gaz à effet de serre et tout ça. Mais c'est juste l'autre chose que tu as dit. C'est con, mais comme moi, personne m'en avait parlé jusqu'à mes, je sais pas, 23, 24 ans. Tu sais, de penser derrière ce qu'il y a dans Ce l'assiette. qu'on mange, Tu sais, comme pourquoi, je ouais. me dis pourquoi à l'école on n'a jamais abordé ces sujets-là, on a parlé d'écologie, mais pas de la bouffe, puis c'est tellement important parce qu'on mange tous, puis Puis je ça me pense fâche que, de tu juste même sais, pas avoir compris que, genre, ouais. l'animal a besoin de tant de ressources versus, mettons, un pois chiche qui a demandé moins d'énergie, moins de ressources, tu sais. Je sais que ça paraît niaiseux maintenant, mais je suis sûre, juste là, ce que tu viens d'expliquer, il y a un paquet de gens qui vont faire le saut.
Ben, Parce qu'on ne réfléchit pas. tant mieux parce que mon travail, c'est justement ça, d'amener l'information. Oui, Tu sais, mais c'est puis ça. c'est vrai qu'on n'est pas. On est déconnecté de la production Oui, alimentaire, beaucoup, de façon beaucoup. générale. Quand tu Beaucoup. reçois un repas dans ton assiette, quand tu Ah reçois la nourriture, que tu vas au supermarché et tu l'achètes, oui. Ah on ne se questionne pas nécessairement de savoir oui. Moi qui non l'a plus. Oui. produit, comment c'était produit, d'où ça vient. Ces questions-là, bon, ça change, De plus là, en plus, oui, mais mais à la base. historiquement, pas vraiment. Non. Donc, puis. C'est encore une fois à cause de l'industrialisation que ça a produit ça. Ah Avant, on était des populations de gens qui étaient des oui. C'est ça, agriculteurs. le monde faisait T'sais? plus à la maison, Alors, j'imagine, ou ils connaissaient le voisin qui leur donnait des œufs, puis tout ça. pendant la majorité de l'histoire de Ouais, l'humanité, puis c'était ça. les civilisations, c'était des agriculteurs, en Ouais, ben majorité. oui. C'est à un moment donné, parce qu'on a commencé à avoir plus de ressources, et tout ça, là, on a commencé à. Ok, t'as des gens qui vont vivre en ville, puis des gens qui vont produire à Ouais, l'extérieur de la ville. c'est Donc la ça. déconnexion s'est commencée. Exact. Puis avec l'industrialisation, maintenant, il y a très peu d'agriculteurs dans les pays Ouais. développés, industrialisés. Il y a très peu de personnes qui sont des agriculteurs, Ouais. mais on est tout le monde, ou presque, Ah. on, ben pas tout le monde, mais on est des grandes quantités de personnes à Ouais. vivre en ville. Oui, Fait c'est qu'on est ça. déconnecté, on ne sait plus Ouais. comment ça se passe. Fait que ça vient Clairement. de là. Donc oui, je pense que l'éducation, c'est super important pour ramener cette notion-là. Puis Ouais. pour pousser un petit peu plus loin, Ouais. moi, si je suis nutritionniste, Ouais. j'ai un bac puis une maîtrise en nutrition de l'Université de Montréal. Puis à la fin de mes études, j'avais jamais entendu parler de ces Non plus. sujets-là. Oh mon Dieu. J'avais jamais C'est juste entendu parler dans quelque chose de d'environnement, pas santé, vraiment. On parlait de. Ouais, là. exactement. Ouais. La nutrition, c'est la science C'est qui lie les santé. aliments avec la santé C'est humaine. ça, c'est ça. Fait. Donc, c'est ça qu'on étudie. Puis donc, pour moi, quand je suis tombé sur des livres, Ouais, c'est sur le c'est ça. sujet, j'ai fait comme. Oh my Comme God. quoi, par exemple, je sais que le China Study, là, que j'ai pas lu encore, je pense que ça a rapport, non, ça a plus rapport à la santé que l'environnement. Ouais, c'est plus sur la Ok. santé, mais le livre qui, Ouais, moi, m'a c'était quoi? vraiment marqué le plus, c'est un Ouais. livre d'une auteure québécoise qui Ok. s'appelle Élise Desaulniers. Ok, ça me dit quelque chose, Euh, oui. ouais, elle écrit un livre, ça s'appelle « Je mange avec ma tête Oh. ». Puis c'est vraiment sur les conséquences de nos choix alimentaires. Fait Ok. qu'elle, elle est végane, donc il y a beaucoup de ses écrits qui vont supporter, si on veut, le fait qu'on devienne tous végane. Mais ce qui est intéressant dans ses écrits aussi, c'est que justement, elle parle des conséquences sur les travailleurs, sur Ouais, les c'est ça, animaux, sur donner. l'environnement, tout Ouais. ça. Puis, pour moi, c'était comme l'espèce de déclic où est-ce que je me suis dit, oh my God, ok, ça se peut pas, j'ai jamais entendu parler de ces sujets-là. Puis, je suis Non. nutritionniste, à ce moment-là, je suis en train de terminer ma maîtrise. Ouais. Puis, je suis comme, j'ai jamais entendu parler de ça. Les Incroyable. recommandations que je fais à la population, ça a un impact même plus grand que c'est juste sur leur santé. Fait Exact. qu'il faut qu'on pense plus loin que juste Ouais. la santé humaine, il Ah, faut penser ouais. plus large. Puis, c'est là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser. Mais c'est ça, je pense que les gens n'ont pas tout le comment dire, le 360 de la réalité. Là, on dit tout le temps manger, c'est personnel et tout, mais en fait, non, parce que ça implique d'autres gens et des animaux souvent. Fait que c'est pas tant personnel, là, mais bon. Mais c'est un mix des deux. Ouais, Ouais, t'as raison, c'est c'est ça. un. Parce que c'est culturel. Tu Oui, non, c'est sais, ça, tu ça peux lie pas. une société, là, Exact. la Non, bouffe, non, là, c'est fait que important, mais oui. c'est. Ouais. Ouais. Il y a une première question qu'on m'a demandée sur la chaîne de vlog. La fille, elle se demandait si c'était possible de prendre du poids avec une alimentation végétarienne. Mais je sais que souvent, les gens, c'est plus le contraire, là. Elle voulait spécialement prendre du poids parce qu'elle dit que le gras se fixait mal dans son corps ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient être végé pour perdre du poids. Mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est nécessairement relié, là. Mais je. C'est pas nécessairement relié. C'est sûr Non. que. Parce que tu peux mal manger végé. Tu Oui. peux Des manger Oreos, puis des boissons gazeuses, c'est Des végé. pogos végés, Oui, c'est ça. tu sais, si tu Maintenant, fais pas plus de sport, tu vas pas perdre de poids, là. Exact. Maintenant, on a comme accès à plein d'aliments qui sont super transformés, Végé, mais qui mais sont transformé, végétaliens. ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement bon pour la santé. Puis moi, Non, ce qui m'intéresse, c'est toujours non. qu'est-ce qui va être bénéfique, oui, pour l'environnement, mais Ouais. aussi pour la santé Oh, humaine, ben, pour c'est sûr. l'alimentation durable, ça lie vraiment ces deux Ouais. concepts-là. OK. Fait que bref, pour répondre en partie à sa question, c'est comme tu peux gagner du poids comme tu Ah peux oui. perdre du poids en étant végétarien ou Ouais. en étant omnivore ou peu importe, Ouais. selon qu'est-ce que tu Ouais, manges. c'est ça. Ouais. Par contre, OK. ce qui semble clair, c'est que OK. les gens qui vont manger végé de façon générale, là, Ouais. quand on regarde les études, OK. sont généralement moins obèses, moins de Ouais. maladies cardiovasculaires, Oups. moins de diabète de type 2, OK. puis moins de cancer. Ça, j'ai lu ça. Fait que Ouais. ce que ça veut dire, c'est qu'il semble quand même y avoir des bénéfices sur la santé à consommer, à manger plus végé. Puis ça veut pas dire végétalien, c'est végétarien ou végétalien, mais juste à, bref, manger en majorité des Ouais, végétaux c'est plutôt ça. que manger des animaux. C'est ça. Ça semble être bénéfique sur la santé. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi, là, justement, par rapport à l'obésité et tout. Mais en tout cas, si je peux répondre, moi, personnellement, mon poids n'a pas changé. Ça Je ne le peut. faisais pas non plus pour ça, là, C'est parce mais que si ça n'a tu pas changé. manges, tu sais, si tu manges à ta faim,
Ouais, Peu c'est ça. importe, comme techniquement, Qui est de la poudre, ton corps il est fait pour s'ajuster au poids. Ah, mais c'est ça, moi je T'sais. pense que tout le monde en a un poids ballon qui appelle, puis on revient souvent à ça, là. Moi j'ai plus ou moins 5 livres depuis que j'ai pogné ma puberté, là. Fait que Exactement. mon poids il change pas, là. Ben je le faisais pas Mais on pourtant. appelle ça le poids C'est naturel ça, en c'est ça. nutrition, là. Ouais, C'est comme. c'est ça. Fait que c'est vraiment le concept de poids naturel, c'est que ton Ouais. corps il a un poids où est-ce qu'il aime Exact. être. Ouais, c'est ça. Puis tu. C'est ça, t'es Il y a des gens qui fluctué essayent de de plus lutter 2 contre moins ça, taux de mais moins 2, ouais. comme on s'en fout, là. C'est Non, même pas. Tu sais, si tu bois 3 verres d'eau, tu vas avoir plus, là, tu sais. Fait qu'on s'en fout vraiment, Ouais. mais c'est vraiment comme un poids où est-ce que ton corps C'est il ça. aime être. On a C'est ça. tous un poids Oui. naturel qui est différent, puis c'est Exact. normal. Exact. Mais généralement, si tu te fies à tes signaux de faim de Ouais. satiété, fait que tu manges quand t'as faim, t'arrêtes de manger quand t'as plus faim, C'est ça. ton corps il va comme rester souvent à ce C'est ce que poids-là, je pense, ouais. de façon J'avais normale. appris ça dans une conférence à NEB. Ah bon, Ouais. ben voilà, exactement. Désolée, ça a coupé. Ma prochaine question, au cas où qu'on l'a manqué, c'était sur les protéines. C'est l'affaire qui revient le plus quand on est végétarien ou vegan, genre où on va chercher nos protéines. Je pense que les gens, ils ont peur que s'ils n'en ont pas assez, du jour au lendemain, ils peuvent crever ou quelque chose. Mais tu sais, je ris, mais même moi, au début, ça m'insécurisait parce que quand tu connais pas autre chose, puis tu sais, qu'on t'a rentré telle chose dans la tête, ça te stresse. Puis moi, j'ai jamais vu de nutritionniste, j'ai fait ça par moi-même, la transition. Il y a juste des amis comme sur Facebook qui m'avaient aidé un peu là-dedans, puis m'avaient dit, c'est ça, là, stresse pas trop avec l'affaire des protéines, là. C'est comme le monde exagère par rapport à ça, puis c'est ça. Je pense que je t'en sentirai, on va le savoir la semaine prochaine avec mes prises de Non, mais honnêtement, là, les gens capotent sur les sang. protéines, puis je comprends pas Pourquoi pourquoi, c'est là. genre le truc, là? Mais comme, ouais, tu sais, c'est comme, Ouais. c'est drôle parce que c'est un nutriment, une Oui, protéine, c'est un des. Oui. mais, tu sais, mais les gens ils capotent là-dessus, puis ils ont toujours Ouais. peur de manquer de protéines. Ouais. La réalité, c'est que, bon, c'est sûr que si tu as toujours mangé de façon omnivore, puis que Ouais. tes parents étaient omnivores, puis c'est comme ça que tu as appris à manger, Yes. personnellement, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller voir une OK. nutritionniste, OK. Faut pas parce mal le que, faire, je juste pour pense. s'assurer de comme. Parce que tu as mangé toujours d'une façon dans ta vie, puis là tu changes. Fait que tu sais, il y a quand même des petits trucs à savoir pour être sûr que tu vas manquer de rien. Fait C'est que c'est sûr clair. que ça peut quand même être une bonne idée, à mon Ouais. avis. Ouais. Surtout que si tu dis je fais le changement pour toute ma vie, ben comme c'est un Ben bon oui, investissement d'aller voir au moins une fois une nutritionniste pour comme le reste de ta vie. on Tu est sais, je pense d'accord. que Ouais. c'est pas un trop gros investissement pour être sûr Non. d'être en santé. C'est ça. Mais, encore une Ouais. fois, quand on regarde les études, ce qu'on se Ouais. rend compte, c'est que les végétariens puis les végétaliens n'ont pas plus de carence en Non? protéines, fait OK. qu'ils manquent pas plus de protéines que les OK. omnivores. OK. Fait que c'est un mythe de croire Ouais. que quand tu es végétarien ou végétalien, tu vas manquer de protéines. Ouais. Puis, tu sais, les dernières études qu'on avait sur les Québécois, c'est que 98% des Québécois mangent assez de OK. protéines ou en mangent OK. trop. Oui, c'est sûr, j'en ai trop, hein, mon C'est Dieu. trop OK. suffisamment, 98%. C'est Fait que quand bref, même. là. On n'est pas On a trop peur des stressé protéines, là, mais il n'y a là-dessus. aucune bonne raison d'avoir peur des protéines parce que la réalité, c'est que c'est très OK. facile OK. d'aller D'aller chercher. chercher. Puis si tu Ouais. manges, donc si tu manges plus de viande, par Ouais. exemple, Ouais. Tes protéines, bon, évidemment, il y en a dans les C'est ça, produits les gens voulaient savoir laitiers, tu où sais. t'en trouves. Ben c'est ça. Bon, tu en as les produits laitiers dans les OK. œufs, Fait bon, que si si, t'es mais pas. vegan, c'est un Mais peu si plus t'es. dur, C'est ça, mais mais. si t'es vegan puis que tu Ouais. manges plus ces aliments-là non Ouais. plus, tu vas en retrouver dans les légumineuses, Of donc les course. pois chiches, les haricots, les lentilles. Ouais. Tu vas en trouver dans les noix. T'en trouves dans les graines de Ouais, tournesol, c'est de ça. citrouille et tout Ouais. ça. Tu vas en trouver dans le tofu, Ouais. c'est sûr, le tempeh. Tu sais, fait que c'est quand même assez facile d'aller chercher donc, tout ce dont tu as besoin en termes de Ouais. protéines. Puis, l'important, c'est juste d'en manger à chaque repas. Grosso modo, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a faim, c'est qu'on se sent pas bien. Je pense que les gens associent la protéine avec la force aussi beaucoup, puis l'énergie, Ben, mais plein de choses. Je veux ouais, dire, les c'est. protéines, c'est super important. Comme n'importe quel nutriment, c'est super important pour ton corps. C'est C'est ça qui sensible, fait là. tes muscles, c'est ça qui bâtit ton corps et tout Ouais. ça. Donc, c'est sûr que c'est hyper important pour ça. Mais encore une fois, ça, il n'y en a pas là, au Québec. Tu Ouais, sais, c'est c'est ça. comme, si c'est qui manque de protéines, Non, c'est ça. c'est extrêmement rare. Mais c'est que c'est important pour plein de fonctions dans ton corps. Tu Ouais. sais, j'essaie de penser sans que ce soit trop complexe, là, mais bref. C'est hyper important, puis c'est Ouais. nécessaire, puis il y a plein de molécules dans ton corps qui sont faites à partir de protéines, puis qui vont jouer n'importe quel rôle dans ta OK. vie. Fait que c'est vraiment important, mais on Ouais. en mange assez. Il n'y a Déjà. pas de problème au Québec de manque de protéines. L'important, c'est de manger des aliments protéinés chaque repas, que tu Ouais. sois végé ou omnivore, peu importe. Puis d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle, mais tu as Ouais. sûrement vu que le guide alimentaire canadien OK. avait changé il y a quelques semaines. Ben oui, pour les Françaises, ça faisait combien de temps qu'on avait plus que 10 ans? Ça faisait 12 ans qu'on 12 ans, avait la la dernière même version. diète, Puis ouais. d'ailleurs, pour ceux qui habitent en France, le même jour qu'on a lancé le guide alimentaire Ouais. canadien, la France a lancé aussi leur guide Ah, oh, c'est alimentaire. vrai, ils ont Mais c'est changé en comme même temps. des règles alimentaires. Ok, je C'est pas savais un pas. guide, mais bref, même Ah, puis journée, ça ressemble-tu à nous ou exactement. pas tant que ça?
Pas tant. D'importance. Non, mais honnêtement, je l'ai pas tant regardé là, mais c'est pas le même sous le même format que ça a été présenté là. Mais disons juste que dans le Mais nôtre, les protéines végétales ont pris plus de place et le lait s'est tassé un peu. C'est exactement. ça. Grosso modo, c'est une assiette. Ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu manges la moitié de ton assiette, c'est des légumes et des fruits. Un quart de ton assiette, des grains céréaliers entiers. Puis un quart de ton assiette, c'est des aliments Protéinés, c'est protéinés. ça. Donc, ça met ensemble la viande, les produits laitiers, les légumineuses, tout ensemble. Puis l'important, c'est juste que dans ton repas, tu aies un de ces aliments-là. C'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment super clair à mon avis. Puis c'est ça la. Mais clairement, c'est juste, je pense que la majorité des gens, omnivores ou pas, l'appliquaient pas totalement déjà parce que souvent on dirait qu'un repas moyen au Québec, dans ma tête, c'est comme maintenant, t'as une cuisse de poulet avec un peu de riz, un petit peu de légumes. Tu sais, la Oui. viande prenait souvent Ouais. plus de Ouais, place, mais ça, en tout cas, ça a juste des bienfaits d'augmenter les plant-based, les ouais. Ouais, aliments absolument. végétaux. Puis c'est qu'on est vraiment habitué de comme, tu sais, si tu fais un repas, tu sais, ou t'invites des gens à la Tu prends maison, tu ta vas viande en dire, ah, oh, je vais premier. faire du canard, je vais C'est ça, faire du c'est ça. poisson, genre. Fait qu'on C'est ça, pense c'est toujours à complètement la la tâche. viande en premier, je sais pas pour, ben, oui, je sais pas pourquoi c'est culturel, Culturel, là. c'est. C'est vraiment juste culturel, il n'y a pas de raison logique de faire Non, c'est ça. vraiment Fait que, tu culturel. sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste de repenser puis de dire, ben non, dans le fond, c'est les légumes qui devraient prendre la place. Fait que tu pourrais dire comme, ok, je vais faire des asperges avec des pois C'est ça. chiches, Mais c'est genre. toujours pensé à l'envers, hein. C'est ça, je trouvais Mais, aussi. fait que c'est ça. C'est un peu plus culturel. Mais bref, tout ça pour dire, on peut manger végé et ne pas manquer de Bon. protéines. L'important, c'est de manger à sa faim, puis manger C'est diversifié, puis ça. avoir des sources de protéines dans chacun de tes repas. Un autre truc qui revient souvent quand on parle de bouffe végé, c'est tout ce qui a rapport au ballonnement. Il y avait une fille qui m'a posé des questions. Je sais pas si c'est végé ou non, mais en tout cas, les légumineuses, ça donne des ballonnements. Puis elle avait lu des choses en lien avec les fibres. J'ai entendu aussi d'autres gens dire leur théorie là-dessus. Fait que c'est quoi le rapport avec l'alimentation végé et vegan et les fameux ballonnements ou les Ben c'est ça, pets ok. Péter est normal. Oui, première chose, oui. Ça fait partie de notre corps, c'est normal de digérer, ok? Puis Je sais. c'est, tu sais, on est comme, on mange vraiment pas suffisamment de fibres. Souvent c'est les fibres C'est en ça aussi que j'ai général. Dans le entendu. fond, quand tu manges, les fibres, nous, on n'est pas capable de les digérer. Puis c'est des bactéries dans notre tube digestif, c'est elles qui vont être capables de digérer ces fibres-là, puis ça va générer des gaz. Okay? Puis donc, c'est normal. Puis, manger des aliments qui contiennent des fibres, donc des fruits, des légumes, des C'est ça. légumineuses, des noix, enfin tous les aliments qui sont végétaux, c'est super bénéfique pour la Pour les santé. films, Mais mais c'est que nous, on est tellement plus habitués de manger ces aliments-là que dès qu'on sent genre un petit ballonnement, une petite affaire, c'est comme on réagit full parce qu'on est comme plus habitué nécessairement. Mais la réalité, c'est que un, c'est normal. Fait que juste enlevez-vous de la tête que ah, je mange des légumineuses, mais si je mange des légumineuses, je vais péter. C'est Il y en normal. a qui disent Tu c'est sais, c'est ça que le comme. corps s'habitue aussi justement avec les Mais films. il y a des façons aussi de comme diminuer les désagréments. Si tu achètes. Non, mais OK. Si tu t'achètes des légumineuses Ah sèches, oui, de faire tu les fais tremper tremper, oui. d'abord, tu jettes l'eau, C'est puis tu les vrai. fais C'est retremper. vrai, ça va aider, Fait que ça peut aider. Si tu les achètes en conserve, les rincer, simplement. Donc ça enlève. Parce que dans le fond, dans les légumineuses, c'est comme une espèce de petit sucre, on va dire, qui n'est pas digestible. C'est ça qui va provoquer le plus de ballonnement. Fait qu'en les rinçant, ça va l'enlever. L'autre chose, c'est la quantité que tu vas manger. Fait que si tu n'as jamais mangé de légumineuses dans ta vie, puis que là, matin, midi, soir, tu décides d'en manger, C'est sûr que ton corps réagit. ça va mal aller. Ah Parce que, un, tu n'es pas habitué de comment ton corps réagit à Non, c'est ça. ça. Mais en plus, tu sais, c'est ça. Ton corps, il n'est pas habitué. Donc, la quantité, fait que de commencer par des plus petites quantités, puis d'augmenter au fur et à mesure, puis tu vas t'habituer, finalement. Puis l'autre chose aussi, c'est que chaque personne peut réagir différemment des fois. Tu sais, donc ça se peut que pour certaines personnes, mettons des lentilles, ah, ça me donne vraiment mal au ventre, versus des haricots noirs, ça c'est correct. Chaque personne est Faut différente. Fait que l'essayer, c'est de là. le tester, de voir vraiment Puis pas comme. tester un jour, parce que c'est ça, des fois, c'est une question que le corps s'habitue, là. Moi, justement, vu que je mange plus végé maintenant, j'ai l'impression, en tout cas, que quand je mange de la viande ou plus fast-food, vu qu'on cuisine puis qu'on mange plus santé, par conséquence, on va dire, que là, c'est plus ça qui va me faire réagir puis faire ballonner. Ça se peut-tu l'inverse aussi? Honnêtement, j'ai rien de scientifique Non, là-dessus. c'est ça, Mais je c'est peux tes te dire croyances que personnelles, personnellement, puis donc c'est pas scientifique, je dois le dire. Non, c'est Mais juste. je me rends compte aussi Moi aussi. que quand je mange de la viande, mettons, je me sens pas C'est plus bien rare, c'est ça. maintenant que. Alors qu'avant, j'en mangeais de la viande tout le Ben temps. oui, moi Puis aussi. des fois, ce que j'en mange, je suis comme, ah, ok, là, genre, Tu je le sens sens? que j'ai Moi mangé, puis aussi? ça me donne mal au ventre. Moi aussi? Je Bon, peux pas l'expliquer, c'est pas c'est scientifique du expérience tout, personnelle. puis.
Bref, ça veut dire que c'est possible de manger des Oui, légumineuses, puis que tu te sens bien après, puis que t'as pas de problème. Mais c'est sûr qu'au début, les premières fois, bien sûr qu'il faut que tu t'habitues, puis si tu n'en as jamais mangé, bien sûr que. mais Mais c'est pas ça mauvais va pas, signe, c'est t'sais, normal. c'est Notre pas corps, tu sais, néfaste. notre corps, il est fait pour digérer certaines choses et ne pas digérer certaines choses, c'est normal. On a justement des bactéries qui sont là pour faire une C'est ça. partie du travail. Puis, on ne connaît pas encore grand-chose sur ces bactéries-là, mais ce qu'on se rend compte, c'est que de leur donner à manger, donc de manger des aliments qui ont des fibres, ça semble être bon aussi pour notre santé. Fait que bref, c'est bon de manger des aliments qu'on ne va pas digérer à 100%. On ne sait pas encore pourquoi, mais c'est ce qu'on a évolué pendant des milliers d'années à manger des vrais aliments Oh, c'est entiers ça. que tu manges, que tu digères une partie, que tu n'en digères pas une partie. Fait que ça semble être bénéfique sans qu'on sache exactement pourquoi. Puis voilà. Fait que, mais c'est juste qu'on n'est plus habitué C'est parce qu'on ça. mange tellement très transformé, puis aucune fibre, que on n'est pas habitué là d'avoir des que notre corps, que nos bactéries travaillent, que notre corps y travaille, tu sais. C'est mal vu de péter en société. Ouais, mais là, Mais c'est pas mauvais. non, mais C'est normal. c'est normal. C'est ça, comme s'il y a un tabou autour de ça, mais la réalité, Il y c'est a que ça, puis plein de c'est. choses. Hein, t'sais, juste les émotions en général dans la société, c'est rendu, faut être comme, tu sais, rien de croche jamais. Fait que péter, mais en tout cas, si vous pétez beaucoup, c'est pas grave. Mais t'as vraiment raison. Non, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a vraiment plein de trucs naturels, mais que là, c'est comme, ouh, c'est tabou, puis on n'a plus le droit de faire ça. Puis. Autre chose qu'il faut parler absolument, c'est la fameuse B12. Ok, Parce que j'ai eu des gens vegan ou végé qui étaient inquiets par rapport à ça. Puis je sais à peu près c'est quoi, mais je te dirais que j'ai jamais fait attention à ça. C'est-à-dire que depuis 2 ans que je mange pas de viande, j'ai jamais pris de supplément de B12. Et là, je sais pas, j'ai entendu que c'était dangereux. Fait que là, même moi, je veux me rassurer avec cette Ok, question-là. ben la vitamine B12, comme n'importe quelle vitamine, c'est essentiel. Donc, ça veut dire que tu dois en avoir dans ton alimentation pour répondre aux besoins de ton corps. Tous C'est les ça une jours? Ou vitamine. Oui, genre, ben, pas nécessairement tous les jours, comme fréquemment. dépendamment des vitamines, puis tout ça, c'est comme tu peux faire des réserves, fait que si tu en manges un petit peu plus aujourd'hui, puis Oui, demain c'est tu n'en ça. manges pas, mais C'est ça, c'est bref. ça. Et anyway, le but, c'est pas de compter, là, Non, c'est. non, non, Vitamine B12, on la non. retrouve juste dans les aliments qui viennent des animaux. C'est ça qui est Mais c'est important de pas savoir. juste la viande. Ça veut dire que c'est donc, Ça peut ben, être des viande, œufs. volaille, donc le OK, poulet, mettons, le poisson, les œufs, les ouais. produits laitiers, comme du fromage ou du lait, tu vas OK. retrouver de la Mais dans B12 à aucun l'intérieur. végétaux, c'est Mais dans ça? les végétaux, on ne les Non. retrouve pas. Non. Donc, ce qu'on va recommander, si tu manges zéro, zéro produit qui viennent des animaux, c'est de prendre soit des suppléments de vitamine Ouais, c'est ça, B12, c'est ça. puis là, tu sais, c'est comme, parlez-en avec votre pharmacien ou médecin, si c'est ça. Soit de prendre des boissons végétales, tu sais, mettons des boissons de Oui, soya ou d'amandes ou peu ils sont en importe, mais qui principe sont enrichis, enrichies. c'est vrai, mais Sont pas toutes pas toutes, enrichies, mais si c'est mais écrit beaucoup. enrichi dessus, ça veut dire qu'on Oui, va avoir rajouté ben oui, de la c'est vitamine vrai. B12. Puis sinon, tu as la levure alimentaire Oui, qui ben va oui, contenir. Fait c'est que si vrai, tu manges du tofu magique, oui, tu devrais on est avoir. correct. J'avais pas pensé, c'est vrai qu'il y en a dans d'autres choses, puis comme on consomme encore, mettons, du fromage ou tout ça, ben, Ben, c'est ça. Si... peut-être qu'on est correct. Une Un bébé! surprise! Ok, fait que c'est Fait pas que ces vegans qui doivent checker ça, mettons. c'est vraiment, ben oui, c'est pas pour les végétariens, là. C'est vraiment, vraiment pour les vegans qu'on va recommander des suppléments de B12 ou les boissons enrichies, tout ça, parce que dès que tu manges des aliments qui proviennent des animaux, tu devrais être Tu correct devrais pour check. aller pour combler tes besoins. Je comprends. Ah, il y en a qui voulaient savoir c'est quoi les plus et les moins de manger végé. Est-ce qu'il y a des désavantages de manger végé? Je les ai pas Pas trouvés sûr, pas sûr, encore. moi non plus. Il y en a en tout cas qui ont l'air de me raconter selon leur expérience personnelle que eux ça n'a pas marché parce que il y a des gens aussi qui ont certaines maladies, mettons. Tu sais, je me dis, il n'y a pas un régime alimentaire qui fonctionne pour tout le monde, il faut écouter Non. son corps. Ouais. Mais tu sais, si ça convient pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de Ouais, négatif. par exemple, il y a des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'est super. Il y a vraiment beaucoup de personnes là, qui ont Ouais, ça. j'ai Puis entendu parler de justement, ça. quand tu manges des aliments qui sont très riches en fibres, donc des légumineuses et tout ça, puis bon, ça, eux, ça leur fait vraiment mal, là. Tu sais, c'est comme des douleurs et tout ça. Fait que des fois, ça se peut que chez ces personnes-là, ce soit plus difficile. Mais justement, quand on a des conditions, je recommande toujours d'aller voir un nutritionniste. C'est surtout quand tu as une condition C'est qui ça. affecte ton alimentation, parce que c'est ça notre job. Notre job, c'est de regarder ce que tu manges et de l'adapter À tes besoins. à tes besoins et à ta vie Ben oui. de tous les jours. Fait que c'est vraiment un bon investissement. T'sais, on dit souvent aux gens que ça peut être un bon investissement d'aller voir un psychologue juste pour comme parler de comment tu te sens et tout ça. Mais pour moi, c'est la même chose, comme tout le monde devrait voir Ouais, une je comprends. nutritionniste au moins une fois dans sa vie. C'est vrai. Personnellement, je prendrais plus parce que je change dans Ben ma vie. oui. Mais C'est vrai. c'est la même C'est chose, là. vrai. On mange tous les jours. C'est juste C'est d'avoir un vrai. regard extérieur C'est qui important. regarde un peu puis qui t'aide.
C'est, en tout cas, je pense que c'est un bon investissement. Merde, Ben. Puis je dis ça, puis moi, je fais pas de consultation, là. J'ai pas de... Ça, tout le monde va s'écœurer. Okay. Dans les trucs positifs, ça, c'est une autre question d'ailleurs qu'on m'a demandé. Est-ce qu'il faut cuisiner plus végé? Personnellement, je vais dire oui. Mais tu sais, ça a du bon parce qu'avant, comme à l'appart, quand on se faisait de la viande, c'était ultra simple, qu'est-ce qu'on faisait. Puis c'était justement pas trop avec des légumes et tout. Fait que moi, ça m'a fait plus cuisiner. J'aime un peu plus cuisiner aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'aimais vraiment pas ça. Fait que j'aime plus ça. Mais c'est pas plus dur, c'est juste plus long, j'ai l'impression. Je joue avec plus d'ingrédients puis plus d'épices. Fait que ça a eu du bon dans ma vie. J'ai appris à cuisiner en cuisinant végé. Mais ça peut être négatif si vous n'avez pas cuisiné. Mais honnêtement, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisé parce que c'est clair que si vous cuisinez, je suis vraiment Oui, c'est content, ça, puis c'est c'est ton but. clair que Mais oui. c'est associé à une bonne santé. Les gens qui vont C'est cuisiner, ça. généralement, une C'est très alimentation qui est bien, plus nutritive et tout ça. ouais. Mais moi, personnellement, je Ouais, cuisine pas des repas très compliqués. Même si je mange végé, puis je mange le mieux possible et tout ça, là, sincèrement, là, ça me tente pas de passer une non, heure mais c'est à ça. préparer chacun de mes Non, repas. Fait non. je te dirais pas que parce que je mange pas de viande, j'ai besoin de cuisiner davantage. Je connais maintenant plein de Ben petites c'est ça, recettes faut que je les vais faire trouver. super Ouais, facilement, puis que c'est exact. mes petits classiques de semaine, que je sais que ça me prendra pas de temps, puis que ça va être bon, Non, c'est rapide, ça. ça me coûte pas cher. Exact. Être végé, ça veut pas dire cuisiner davantage ou cuisiner Non. moins, c'est pas, tu sais, ça n'a pas rapport, c'est Non. vraiment sur tes choix alimentaires, Mais moi, ça disons. me fait redécouvrir la Puis cuisine tant par mieux. contre, parce que ça fait souvent jouer avec plus d'épices, là. C'est pas comme mettre un steak dans le poêle, puis boum, tu peux le manger de même, là. T'sais, le tofu, Ok, faut comme l'assaisonner, ouais, tu sais. Mais ouais, c'est pas plus compliqué. ouais. Puis pas nécessairement plus long, parce qu'on cuisine souvent la semaine, comme avant que Pat parte à la job. Puis on donne des recettes faciles, végé ou vegan, tu sais, comme j'ai déjà essayé, mettons, une tourtière au millet, tout ça. Puis c'est long à faire, là, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, on le fera peut-être pas la semaine, on va le faire dans temps des fêtes une fois par année, tu sais. Exactement. Mais c'est ça, c'est pas tant plus long ou plus difficile. Puis t'as dit aussi une autre affaire, qui est une question qui est revenue très souvent, que j'ai oublié de parler tantôt dans mon intro, mais le coût. Là, les gens sont persuadés que c'est plus cher à manger végé, mais en fait, c'est moins cher. Fait qu'il faut juste démêler ça, mais je pense que les gens font des amalgames avec le bio et tout, Allez dans n'importe quel supermarché, regardez le prix de la Ben, viande c'est et après ça! regardez le prix d'une conserve Ben oui! de lentilles. Ouais! Et revenez me dire Peut-être après que ça coûte parce que cher. les gens, dans leur tête, un steak, mettons, ça équivaut pas à une boîte de lentilles ou un bloc de tofu, mais si on regarde les protéines du tofu, ça va, Oui, ça non, mais remplace très bien! Ah non, ça coûte rien du tout, là. C'est 2 piastres! Ah, mais oui, c'est ça, là. C'est rien du tout. Fait que pour vrai, Non, là, c'est moins c'est... cher! La viande, c'est l'item dans notre panier qui coûte le plus cher. Effectivement! Fait que c'est sûr que dès le moment où tu manges moins de viande, Ouais. tu vas économiser, là. Mais oui. Sincèrement, Ouais. non, ça n'a aucun rapport, là. Non, Moi, c'est. depuis que je mange plus de Ouais. viande, l'argent que j'ai économisé, puis Ouais. à la place, comme oui, peut-être des fois, je vais l'investir, comme je vais m'acheter des petits trucs un peu plus Ben fancy oui, pour ben le oui, ben fun, oui. puis tout ça, mais au final, ça va pas me coûter plus cher parce que juste de pas manger de viande, ça, j'économise C'est comme vrai. un fou, là, tu sais, C'est vrai. c'est... Fait que non, ça coûte vraiment pas plus cher, au contraire, là. Non. Vous allez beaucoup économiser. Ouais. Je dis souvent, comme aux étudiants, quand je donne des conférences aux étudiants, je suis comme, pour vrai, là, c'est votre façon, si C'est vous voulez vrai. économiser, là, C'est vraiment vrai. c'est la meilleure façon. Il y en a beaucoup, en fait, c'est ça, qui se demandent comment transitionner. Est-ce qu'on leur dit d'aller voir un nutritionniste, de lire tel livre, de regarder telle chaîne YouTube pour Plein de comment façons. Si transition? tu as des amis qui ont Ben déjà oui, ben c'est ça, commencé ou leur des expérience connaissances, peut comme, tu aider, sais, c'est exactement. Tu sais, dans la là. vie, c'est ça de toute Ouais, façon, mais là. moi, ça a été ça. Comme je dis, j'ai pas rien fait, là. Je sais pas si j'ai mal fait, mais j'ai rien fait de spécial pour transitionner, là. Peut-être qu'il y a plus un choc si tu le fais du jour au lendemain, là. Tu sais, il y a des gens que du jour au lendemain, ils tombent vegan, mettons. C'est sûr, je pense qu'il faut savoir, comme, bien le faire, mais en même temps, c'est pas si dangereux. Je sais pas, je pense que les gens, ils pensent que c'est pas C'est pas dangereux, dangereux. c'est ça, c'est pas Je sais dangereux, pas. mais c'est sûr que si tu te lances là-dedans puis que tu sais rien, que tu regardes aucun blog, aucun Ouais. truc de recette Et. vegan, whatever, Ouais. ben là, peut-être que ça peut être plus, pas risqué, mais c'est comme, Ah, là, c'est comme peut-être tu te lances dans sans vraiment savoir, puis c'est sûr que Oui. si tu dis, je deviens vegan puis je mange juste de la laitue, Mais c'est ça, je pense. Le problème, c'est que le monde, pour certaines personnes, manger végé, c'est juste enlever la viande. Mais moi, Non, c'est depuis le ça. début, ça a été clair que c'était question de la remplacer. Fait que c'est sûr, si tu manges, tu sais, tu fais pas attention, tu fais juste manger une salade à chaque jour, ben là, c'est C'est sûr qu'il sûr que c'est manque de problématique. fer, de viande, Ouais. pis Ça, tout. c'est sûr à 100% que tu vas avoir des carences si tu remplaces pas. Oui, il faut remplacer, Fait que ça, c'est c'est vraiment vrai. important que chacun de tes Ouais. repas t'as une source Ouais. d'un aliment qui contient des protéines. Exact. Mais encore une fois, tu sais, je pense que oui, ça peut être un bon investissement d'aller voir au moins une fois un nutritionniste. Puis il y en a des nutritionnistes qui se spécialisent en végétarisme et en végétalisme. Fait qu'ils peuvent nous aider à comme faire les changements puis s'assurer qu'on manque de rien. Mais
T'as aussi justement tes amis qui ont déjà fait ça. T'as regardé des livres de recettes, des blogs Ouais. de recettes, il y en a en masse. Fait que si tu t'inspires de qu'est-ce qu'eux ils font, mais ça va te donner des idées pour pouvoir le cuisiner. Puis tu te lances pas de même sans avoir aucune source d'information. Mais tu C'est sais, ça. c'est comme n'importe quel changement Ben d'habitude dans la oui. vie, il faut que tu aies des Ben oui. informations Comme si tu pour veux si tu veux bien le t'entraîner, tu faire. sais, du jour au lendemain, tu vas aller voir un coach ou en tout cas t'informer, là, tu vas pas juste faire n'importe quoi à la maison, là, tu pourrais te faire mal ou Ben non, mais c'est vrai, c'est la même chose. je comment ça, ouais. Ça, je pense que c'est via ton blog que j'ai su que c'était un mythe, mais avant, on disait vraiment qu'il fallait comme combiner les protéines végétales, que dans le fond, c'était important dans chaque repas d'avoir, mettons, du tofu, des légumineuses, je sais pas, mais tu sais, différentes protéines. Pour quelle raison? Pour pas mourir. Fait que là, Puis finalement, ouais, c'est un finalement, mythe. c'est un mythe. C'est un mythe qui est très répandu. C'est même un mythe Oui, on m'avait dit au début, moi. que moi j'ai appris à l'université, Ben, là. c'est ça. Donc, Fait que c'est c'est. récent, la Fait que c'est découverte. relativement récent qu'on se rend compte que oh, finalement, c'est pas une bonne façon d'expliquer. Parce que grosso modo, les protéines, Ouais. c'est fait à partir des C'est acides ça. aminés. C'est ça. Okay, vous avez sûrement déjà Ouais. entendu le terme, mais les acides aminés, voilà comme si c'était des petits blocs Lego, puis que quand tu mets plein de blocs Lego ensemble, ça va créer ta protéine. Mais dans les aliments végétaux, comme des légumineuses, mettons, ben, il n'y a pas Ils tous ont les pas acides tous, c'est ça. aminés. Puis nous, on a besoin d'un certain nombre d'acides aminés pour construire nos muscles et tout ça. Mais il n'y a pas tous ces acides aminés-là dans les légumineuses, mettons, alors que dans un morceau de steak, Ça, ils ont tous, tu les c'est as tous. ça, c'est ça. Sauf que dans, mettons, des grains céréaliers, mettons du riz, on va dire, ou du blé, t'as des protéines aussi. C'est vraiment des mini quantités. C'est pas un aliment riche en protéines, mais t'en as quand même un petit peu. Puis on se rendait compte que ceux qui manquaient dans mettons, les pois chiches, ben il y en avait dans des céréales. Ça se Fait que complique, là, on disait, ah, ben là, si tu manges dans le même repas, tu te mets des haricots avec des Ouais, c'est céréales, ça ça. va se combiner, puis là, ton corps va pouvoir aller chercher tout ce dont on a besoin. Ça semble super logique quand on y pense comme explication, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Non. Ce qu'on se rend compte, grosso modo, c'est que ton corps, il est capable d'aller chercher tous les acides aminés dont il a besoin dans toute ton alimentation. Fait que même quand tu manges, genre, des fruits puis des légumes, que t'as presque pas de protéines, mais t'en as quand même des micro quantités. Juste ça, il va être capable de justement compléter avec quand t'as mangé, mettons, du tofu ou tout ça. Il Dans va la réussir à journée, combiner dans ta journée ou même dans ta. Sans y penser. Grosso non, c'est modo, ça. c'est qu'on n'a pas besoin de Le corps penser est à bien ça. fait. Pour ça, oui. Il est vraiment bien fait. L'important, c'est de manger le plus diversifié C'est possible. ça, Donc, c'est ça. plein d'aliments différents. Ça, Tu sais, si c'est tu me toujours bon, disais, là, c'est un conseil oui, peu importe overall là. C'est sûr que si tu me disais, hey, moi, là, mon repas, c'est genre, je mange juste des haricots rouges matin, midi et soir pendant une semaine, tu as des problèmes, mais tu vas avoir bien des problèmes aussi dans ta vie. Donc, manger le plus varié possible, puis manger à sa faim, tu vas aller chercher tout ce dont tu as besoin sans avoir besoin de réfléchir. Fait que C'est c'est pour ça que ça, c'est maintenant, on ne ça. parle plus de ça, de la complémentarité, parce que Et ça, on pourrait oui, calculer à chaque repas, là, exact, c'est aussi. comme oui, d'un point de vue théorique, oui, c'est vrai que ton corps a besoin d'aller chercher tout ça, mais nous, on n'a pas besoin d'y réfléchir, il va le faire lui-même. Quand tu vas manger plein d'aliments différents, il va aller chercher tous les acides aminés dont tu as besoin. Puis, ça revient à ce que je disais un petit peu plus tôt, quand on regarde des études chez les végétariens ou les végétaliens, il n'y a pas plus de carences. Décarence. Donc, ils sont capables d'aller chercher toutes les protéines dont ils ont besoin sans nécessairement avoir besoin d'y réfléchir davantage. Il y avait des coups de filles qui me disaient, mais je veux être végétarienne, mais j'aime pas le tofu, j'aime pas les légumineuses, j'aime pas les œufs, j'aime pas les noix. Là, je suis comme, je sais pas quoi te dire, là. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile de remplir tous tes besoins. Donc, peu importe de toute façon comment tu manges, il faut manger varié, puis il faut s'exposer à des nouveaux aliments. Fait que faut que tu réessayes ces aliments-là aussi, puis que tu trouves des façons de les cuisiner peut-être différemment. Mais c'est ça. Moi, quelqu'un qui me dit, j'aime pas le tofu, je suis comme. Peut-être que t'as juste pas trouvé la bonne recette de tofu encore. Le tofu à base, ça goûte à rien, c'est normal, faut que toi tu lui donnes du goût, tu sais. Fait que genre, nous ici, on a plein de recettes de tofu qu'on tripe, là, pis que même si j'ai des amis, mettons, omnivores qui viennent, ben ils aiment ça aussi, là. C'est vraiment, ça goûte qu'ils se mettent dessus. Fait que si t'aimes que ça goûte le poulet barbecue, tu peux le faire, là, tu sais. Puis c'est vraiment la saveur parce que même si tu penses à la texture du tofu, mettons, Ouais, mais là, elle peut changer aussi, là. mais c'est vraiment une texture en fait qu'on Qu'on apprécie connaît, généralement, là. Parce que quand tu manges genre une croquette de Ben, c'est poulet, ça, c'est que tu es comme. bien content de manger la croquette de poulet, c'est Ouais. pas mal la même texture Ça que comme ressemble à ton ça. tofu. Puis les enfants, nous, mettons, nous, ou comme les enfants, ils n'ont pas nécessairement été exposés au tofu. Fait que là, comme ils connaissent pas ça, tout ça, sauf que quand tu donnes du tofu à un enfant, là, il va Justement. vraiment triper, puis il va Ouais, vraiment c'est aimer ça. ça parce que c'est le genre de texture qu'ils aiment vraiment beaucoup. Mais c'est juste que nous, on n'a pas été exposés parce Non, que c'est c'était ça. pas un aliment qui Moi, était j'en ai pas mangé jeune, fréquent. mais non, mais Mais non. maintenant, ça change. Puis pour vrai, c'est ça. Comme ça revient à ce que tu dis, là, c'est
faut que tu goûtes, faut que tu trouves des recettes Oh. pour les mettre en valeur. Sûr que si tu prends du tofu puis que tu l'as coupé en quatre puis tu l'as mangé comme Ben, ça, c'est ça, peut-être que je c'est comprends ça. que t'aimes pas ça, Mais mais oui. clairement, teste des recettes. Puis tu sais, commence facilement là. Si tu vas sur des sites de recettes, Ouais. peu importe c'est Moi, quoi. je vais souvent Pinterest, puis je Ah, trouve. ben ok, ben Pinterest, c'est une bonne idée. Moi, tu vois, Mais c'est j'utilise relié pas à des beaucoup. blogs, tu sais, Mais oui, puis c'est sur des faut que tu blogs. vois des photos, ça a l'air bon, tu l'essayes, puis Puis les plus populaires. Tu Ouais. sais, prends juste les recettes les plus populaires, Mais celles qui ont les c'est meilleurs ça. ratings, Mais oui, puis. j'avais emmené le Jean-Philippe, c'est un livre vegan, mais tu sais, je veux dire, les recettes qui sont dedans, c'est toutes des choses que vous connaissez déjà, c'est juste qu'on a interprété de façon végé-vegan, fait que c'est rien de déstabilisant, c'est juste pareil, sinon ça serait pas écœurant. Non, mais c'est ça, puis Jean-Philippe, c'est comme le super bon exemple, là, t'sais, son but, c'est vraiment de démocratiser la cuisine végé, puis il Ouais. réussit vraiment C'est parfaitement à le facile faire. au bout, C'est c'est facile, vegan. c'est C'est pas bon, des puis. ingrédients compliqués que t'as besoin d'aller acheter à Tombouctou, là. C'est genre vraiment facile, 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 là. Même sur les sites de Ricardo, que Oui, tu on a. dis comme Ricardo comme entreprise, Ouais. leur but c'est de plaire au plus grand nombre de personnes. Donc même à des gens qui sont pas habitués de Ouais. manger végé par exemple, ben sur leur site, là, Ils ont leurs une recettes section végé végé, sont ouais. faites pour Oui, plaire ils à sont plein toutes de 5 sur personnes. 5, là. Et bah, elles sont Fait que bonnes. c'est vraiment, t'sais, ça vaut la peine d'aller les regarder parce qu'ils ont été réfléchis pour que ça pèse vraiment beaucoup de personnes. Fait que Ben, c'est ça. c'est vraiment ça. Puis pour vrai, bon, si tu veux être végé puis tu te dis je mangerai pas de légumineuses, puis je mangerai pas de tofu, puis je mangerai pas de tempeh, puis je mange juste. Non, ça Ouais, marchera pas. C'est ben, sûr que tu trop risques de d'histoire. manquer de certains nutriments parce que là, on coupe trop de Non, trucs c'est ça, de c'est son ça, c'est ça. alimentation. Ouais. Une autre question qui revient très souvent, c'est le lien entre le soya et le cancer. Je pense cancer du sein ou tous les cancers, je sais pas. J'ai pas fait des recherches sur le sujet parce que ça me stressait pas personnellement, mais je sais qu'il y en a que soit ils ont eu un cancer du sein puis ils ont peur d'en manger maintenant, ou ils ont peur que ça développe. Je sais pas c'est quoi le lien dans tout ça. C'est une question qui est super fréquente. Quasiment Ouais. chaque fois que que je fais des conférences, les gens vont me poser la question de comme, ah, c'est-tu dangereux tout ça? Puis ça part du fait que le soja, ça contient une molécule qu'on appelle les phytoestrogènes. Puis les phytoestrogènes, pourquoi on les appelle comme ça? C'est qu'ils ressemblent à, de façon moléculaire, à la structure d'une hormone sexuelle féminine qui s'appelle l'estrogène. L'estrogène, OK? Puis il y a des types de cancers qui sont liés à cette hormone-là. Et des cancers du sein, notamment. Fait que là, la question, c'est de savoir, est-ce que manger du soya, ça va. Il y a des gens qui disent que ça va le prévenir. Il y a d'autres gens qui vont dire que ça va Le causer ou que provoquer, ça on peut dit. être pire et tout ça. Donc, il y a comme plein de mythes un petit peu qui circulent par rapport à ça. Puis on ne savait pas trop c'était quoi la réponse. Puis même pour aller plus loin, il y a des gens qui pensent que si tu manges trop de soya, que les hommes qui mangent trop de Oui, soya, ils vont ça devenir aussi. plus féminisés et tout ça. Oui, j'ai Ça entendu vient ça. tout de cette affaire-là. Mais la réalité, c'est que les phytoestrogènes puis l'estrogène, c'est pas la même chose. Non, Donc, c'est juste, c'était juste une ça se métaphore qui faisait, ressemble, ouais. mais c'est pas la même molécule, Puis c'est ça me pas la parle même pas, là, c'est une chose. plante. Puis quand on regarde les études, donc pour les gars, là, comme vous Ok. pouvez manger du soya sans aucun Pas de problème, soucis. il y a rien, comme aucune preuve que ça va changer le taux de testostérone, quoi que ce soit, non. Puis par rapport au cancer, ça semble ni prévenir ni C'est provoquer le neutre. cancer, ça semble être neutre par rapport à ça pour le cancer du sein. Chez les femmes qui sont à risque de cancer du sein, donc ça veut dire que, mettons, si votre mère elle a eu, donc ça veut dire que vous êtes à risque et tout ça. C'est ça. Ou sinon, si vous avez déjà eu le Des cancer, antécédents tu sais, ou puis que vous êtes en rémission, ou bon, peu importe, vous pouvez quand même manger du soya, il n'y a pas de problème. Même la Société canadienne de cancer dit qu'on peut manger 3 portions de soya par jour, Par jour, puis mon qu'il Dieu, n'y a pas mais aucun non. problème. Puis même moi, je vous dirais, mangez pas 3 portions de soya par jour parce que ça C'est manque de quoi? diversité, là. Tu sais, c'est Même comme. De, comme ça veut dire, mettons, boire un verre de boisson de soya, puis manger du tofu, puis manger des edamame, mettons, le soir. Mettons. C'est parce qu'à un moment donné, faut que C'est tu gros, là. Ouais, diversifies, c'est là. Tu sais, ça, c'est mange ça. d'autres affaires. Fait que déjà, de C'est toute façon, c'est pas quelque chose que je recommanderais, mais eux, ce qu'ils non. disent, c'est que même à 3 portions par jour, ils semblent pas avoir de problème, même si t'as des antécédents Mon et tout Dieu. ça. La seule chose, c'est quand on C'est est pas en supportable. chimiothérapie. Donc, si, mettons, on a le cancer du sein, puis qu'on est en Actuellement. chimiothérapie, ça se pourrait que votre médecin vous donne des conseils par rapport à ça, mais là, ça, c'est comme. C'est juste ça qu'il faudrait Suivez que tu qu'est-ce que manges. votre médecin Oui, ou c'est ça. la nutritionniste qui va être mise en charge de votre cas va vous dire. Ça se pourrait qu'ils vous disent de ne pas en manger pendant ce temps-là. Puis les suppléments de soya ou de phytoestrogènes, par exemple, ça existe. Puis ça ne serait pas recommandé chez les gens justement qui sont à risque. En fait, encore une fois, moi, ce n'est même pas quelque chose que je recommanderais pour personne de toute façon là, de Puis prendre les des suppléments. suppléments, Mais quand on les mange sous forme d'aliments, là,
Sincèrement, il n'y a pas de risque à les consommer. Ouais, ok. Mais c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Je me fais toujours poser la question là. Ok. Non, c'est ça. Fait que c'est pas la même chose. Il n'y a pas eu énormément de questions par rapport à l'environnement, puis on en a parlé un petit peu là, en introduction tantôt. Mais il y a une fille qui voulait savoir si réduire sa consommation de viande aidait sans devenir vegan ou végétarien. Moi, je pense que je connais la Oui. réponse, mais oui, c'est ça. Ça fait en fait une très grosse différence Ah oui, parce que même de réduire. la viande dans notre alimentation, c'est ça qui demande le plus de ressources à produire. Fait que ça veut dire que chaque fois qu'on diminue notre consommation de viande, c'est ça qui va avoir le plus d'impact pour le moins de changements, si on veut. Après ça, même quand on regarde les études, quand on compare quelqu'un qui mange plus de viande versus quelqu'un qui serait végétalien, on va dire, la différence, mettons, pour les gaz à effet de serre, tout ça, est petite. Et petite, ok. C'est vraiment quand on diminue la consommation de viande graduellement que c'est là qu'on voit les plus grosses diminutions parce que c'est la viande qui est le. Qui a le plus, qui demande le plus de ressources, puis la viande rouge. Donc le bœuf, là, c'est vraiment Oui, en termes de. la viande de ça, puis l'agneau, c'est comme deux viandes qui demandent beaucoup, beaucoup de ressources à produire. Ouais, versus, j'imagine, poulet, poisson. Ouais, En termes de exactement. ressources, Ouais. ouais, ok. Sinon, les autres questions qui revenaient souvent, en fait, par rapport à l'environnement, c'était un peu. Les gens, ils voulaient comme ranker dans leur tête, c'était quoi le mieux entre, mettons, manger végé ou vegan, acheter bio, manger de la viande de chasse, ça, c'était comme un Ok, autre débat, ouais. là. Ou c'est ça, manger local, genre, qu'est-ce qui a le plus petit impact sur l'environnement? Ouais, Ouf! c'est une bonne Bonne question! question, puis c'est une question que j'entends très souvent aussi. Puis juste avant de répondre vraiment, honnêtement, je pense pas que le but c'est d'être parfait, puis de Non, dire mais. comme commencer à compter puis dire ah oh, ça va avoir tel impact, ça va avoir tel impact, fait que là genre je peux faire mes changements Non, comme on fait honnêtement, notre possible. exactement. Puis tu sais, faut pas aller dans l'extrême de commencer à comme vraiment vraiment genre vouloir être parfait tout Le pur ça. plaisir de Comme manger, vivre là. demande des ressources. C'est ça. T'es un être humain sur la Terre, donc on est des animaux, on doit aller chercher des ressources. L'empreinte zéro, ça n'existe pas. Faut que c'est le premier truc. Par contre, ce qu'on peut, dans l'alimentation, les deux choses qui ont le plus d'impact, c'est manger moins de viande. Donc vraiment, chaque fois qu'on coupe dans la viande, ça a un impact positif sur l'environnement. Puis la deuxième chose, c'est diminuer le gaspillage alimentaire. C'est là qu'on a le plus d'impact avec le moins de changements parce que on gaspille beaucoup. Mais c'est ça. Puis donc, toute la nourriture qui est produite, ben, il a fallu dépenser de l'énergie, donc du pétrole, de l'eau, des engrais, des pesticides et tout ça pour être capable de les produire. Il a fallu les transporter, les emballer, les préparer, tout ça. Puis, on en jette entre 30 et 50 % sur la planète. C'est tout là-dedans. Puis le pire, c'est que le plus gros Ouais, gaspillage alimentaire, c'est fait à la maison. Le monde à pense que c'est peu des près épiceries ou la. ailleurs, C'est à peu mais près c'est. la moitié. À peu près la moitié du gaspillage C'est se fait à la beaucoup. maison, mais C'est c'est plus qu'on beaucoup. Fait que ce pense. que ça veut dire, c'est que ben, tout le monde a une part de responsabilité. Il ne faut pas croire que c'est juste l'industrie, puis il ne faut pas croire que c'est juste les consommateurs. On a tous une responsabilité partagée, puis oui, on gaspille à la maison. Fait que ça, c'est les deux choses qui vont avoir le plus d'impact, puis qui pour moi, c'est les choses les plus importantes, parce que ça ne demande pas beaucoup de changements pour avoir un Un gros super grand impact, impact. Puis si on faisait juste ça, on n'aurait comme plus de problème. Après ça, manger bio puis manger local, pour moi, c'est comme du petit fine-tuning, là, Ouais, je quasiment. C'est comprends. comme une fois là, que tu as attaqué ces autres aspects-là, là, encore une fois, d'un point de vue environnemental, là, Oui, on parle juste environnement. manger local, c'est bon aussi pour l'économie, puis Oui, tout c'est ça. ça, Fait ça, c'est autre chose aussi. Mais si on regarde juste d'un point de vue environnemental, pour moi, manger bio puis manger local, c'est comme à la fin de manger moins de viande puis de combattre le gaspillage, parce que c'est là qu'il y a le plus de gaspillage qui se fait, là, de ressources, si on veut. Ben, c'est bon de savoir. Ben, je pense que je l'avais posé en plus cette question-là parce qu'il y a une fille qui m'avait dit Ah, oh, ben moi je voulais être végétarienne, nanana, ça n'a pas marché pour moi, mais l'important c'est manger local. Genre, qu'elle a continué de manger de la viande, mais des boucheries locales. Mais c'est Puis je sûr que ça me. peut être déjà, tu sais, si tu veux, c'est correct. Puis tu sais, vaut mieux, si tu manges de la viande, bien sûr que c'est bien mieux si tu consommes de la viande qui a été élevée dans des façons plus respectueuses, puis que ça vient d'un producteur qui est local, puis tout ça, tant mieux. Mais Mais ça l'animal, reste quand qu'il même. a fallu l'élever cet Ouais, c'est animal-là, ça, fait que c'est c'est ça. sûr que ça demandait des ressources, puis peu importe, même si tu décides de manger juste de la viande de chasse. Même si tu décides de juste manger de la viande de petits élevages et tout ça, il reste qu'il faut en manger moins, Ouais, peu pareil. importe. Parce que la viande de chasse, c'est quelque chose que j'entends Oui, souvent. j'entends souvent ces derniers temps, mais Un, là, moi, tu sais, comme c'est. ça m'atteint pas, on mange les animaux qu'on tue, là, genre dans la Exact. forêt à côté de chez nous, bon, Sauf c'est vraiment que, un, horrible, c'est mais c'est ça. illégal de vendre la viande de chasse au Québec. Donc, déjà, nous, c'est pas une solution Ah, pour tout le qui monde, ben fonctionne non, parce ben qu'on peut même pas en acheter. non. Non, non, Donc, c'est c'est ça, c'est le monde illégal. qui font ça chez eux, là, d'une Exactement, fait que tu famille, peux aller mais. chasser. Sauf que, réfléchissez un instant, si tout le monde te disait, mais là, on va juste manger de la viande de chasse,
Dans 2 semaines, il n'y a plus un seul animal dans mais les forêts, là. C'est ça. Donc, c'est pas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ce que je croyais. La seule façon dont on est capable. Oui, dans le fond, là, on est trop d'êtres humains oui, ça me sur Terre pour que notre environnement soit capable de nous nourrir en viande. Oh, donc, la seule façon qu'on est capable de manger autant de viande en ce moment, c'est parce qu'on la produit de façon industrielle. C'est la seule façon qu'on est capable de le faire. Puis ça a amené des conséquences à cause de ça. Mais on ne peut pas, même si tout le monde se disait, là, on va juste manger de la viande de chasse que manger des ressources naturelles. Ça marche pas, il y a pas assez d'animaux pour nourrir tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut manger du caribou au Québec non plus. Ça marche pas. Fait que c'est un faux argument pour moi parce que c'est pas, ça marche pas. On pourra jamais le faire. Le point de vue société, ça marche pas. Si eux, ils aiment ça parce qu'ils peuvent le faire. Mais moi aussi, j'ai peur des. Ça reste que ça demande, tu sais, ça reste que cet animal-là, il y a des rôles dans point de vue de la biodiversité. Fait que ça reste que ça. C'est ça. Peut-être que leur viande de chasse a un impact moins grand que la viande industrielle. Honnêtement, j'ai pas vu de données là-dessus scientifiques qui se sont penchées. Mais ça reste que. On peut pas tous manger de la viande de chasse. Il y en aura plus. Non. Fait que clairement, ça a un impact. Il y en a beaucoup aussi dans les contre-arguments, mettons, du végétarisme qui vont parler du soya, parce que là, j'ai vu que 2/3, c'est OGM. Le monde a peur par rapport à ça. Puis c'est ça, il y en a qui disent que le soya, c'est très mauvais pour les terres et tout ça et tout ça, sans peut-être penser que l'élevage intensif aussi. Mais ouais, c'est quoi ton opinion là-dessus? Le fameux soya. Ça montre la déconnexion que les gens ont avec la production alimentaire. Parce que les 3/4 des cultures qu'on fait en ce moment, c'est pour nourrir les animaux. Fait que les 3/4 du soya qu'on cultive, c'est pour nourrir les animaux. Fait que quand vous mangez votre viande, vous mangez du soya virtuel, puis vous en mangez des grandes quantités de ce soya-là, parce que pendant des années, on a dû nourrir, des céréales et tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, on mangeait plus de viande, okay, mettons que, puis je dis pas que c'est ça la solution, mais mettons qu'on mangeait plus de viande, ça libérerait beaucoup de terre qu'on pourrait arrêter de cultiver du soya, entre autres, et toutes les autres céréales qu'on cultive en monoculture, parce que on donnerait cette nourriture-là à manger directement à des êtres humains plutôt que de la donner à manger à des animaux. C'est pas un vrai argument non plus que j'entends très souvent, la réalité, c'est que quand vous mangez de la viande, vous mangez bien des céréales, du soya en arrière. Puis c'est vrai que la majorité sont OGM, mais c'est parce que les OGM, justement, on les utilise pour nourrir les animaux, en très grande majorité. Puis pour les aliments ultra transformés. Ouais. Fait encore une fois, si vous mangez moins de viande, mais il y aurait moins de culture nécessaire de ce soya-là, puis de ces autres cultures en monoculture-là. Ouais. C'est fou, hein. Ça a été, je pense, un de mes plus gros déclics. Là, moi, ce qui m'a accroché en premier, c'est les raisons environnementales, puis juste comme la chaîne comme ça, que j'étais comme, voyons, ça marche pas, ça fait pas de sens. Il y a un peu qui disent, si tu gardes toutes ces céréales ou ce soya-là, peu importe, pour nourrir les gens qui meurent de faim dans le monde, tu sais, que, bon. Je sais pas si on peut rêver à ce système-là, mais tu vois un peu le concept, là, c'est genre... Puis c'est pas... Puis honnêtement, c'est que c'est pas... C'est juste d'aller, en fait, directement à la source plutôt que de passer par l'animal. Oui! C'est ça! Oui, tu peux voir l'animal, mais c'est... Oui, c'est exactement ça, c'est que tu peux voir l'animal comme une espèce d'intermédiaire. Ouais. Donc, si tu le voyais comme une machine à... Parce que dans le fond, on se nourrit d'énergie. Oui. Des calories, c'est de l'énergie. Oui. Fait que ça vient d'où à la base, c'est le soleil, nous donne de l'énergie. Les plantes transforment cette énergie-là en calories, donc des glucides, des protéines et tout ça, puis nous on va les manger. Ben c'est plus efficace que ce soit nous qui mangeons directement cette énergie-là, plutôt que tu pognes l'énergie, tu la donnes à un animal, qui lui perd de l'énergie parce qu'il marche, il vit, doit vivre, fait qu'il dépense, c'est pas genre chaque calorie qu'il mange, il prend du poids. Il en perd, puis ça retourne dans l'atmosphère, puis nous après ça on mange, fait que c'est ça qui fait que c'est plus efficace. Fait que cette espèce d'énergie-là, si on veut, ça a l'air un peu ésotérique quand tu dis ça, mais c'est ça. Puis c'est beau mieux que ce soit nous qui le mange sans intermédiaire, c'est bien plus efficace. C'est ça. Mind blown! Non, mais c'est tout, je pense. Je pense que ça fait en masse le tour. Là, si vous avez quand même encore des questions sur le sujet après, laissez-les dans les commentaires. Peut-être qu'il va aller faire un tour. Je pense qu'il va en avoir une tonne, là. Mais si on peut répondre puis vous aider, tant mieux. Sinon, allez consulter le nutritionniste. Oui! C'est la conclusion. Il y a aussi mon livre. Mais oui, puis j'ai longtemps. Je suis pas allée chercher. J'ai montré lui tantôt au début du vlog. Mais oui, il y a beaucoup de réponses. C'est parce qu'il est tellement clair, il est illustré et tout ça. Puis si vous voulez pousser, ben lisez son deuxième aussi, là, plus complexe. Mais celle-là est tellement, tellement perspicace, là, puis intéressant. Merci. Mais merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à toi. Puis ben voilà. Coucou ma belle. Je t'ai négligée, hein, on a parlé beaucoup.
Mais oui, bonjour. Je voulais faire une petite conclusion avec ma douce. Oh, on pogne des chocs électriques. Ah! J'espère que vous avez aimé le vlog. Il n'y a pas tellement de plus de choses à dire. Je m'en vais faire le montage. Ça va, je sais qu'il va être extrêmement long. Mais j'espère que ça aurait été pertinent. Je le trouve tellement intéressant. Bernard, il explique trop bien. Fait que j'espère que vous l'avez aimé, que vous allez le suivre partout ce qui est, si jamais vous voulez en apprendre plus sur la nutrition en général, là, pas végétarisme et tout. Fait que voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Puis si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou un petit thumbs up et de vous abonner. Et sûrement que les prochains vlogs retomberont un peu plus dans le maison. Là, j'ai comme pour projet de refaire mon petit rangement ici dans le boudoir. Là, j'ai comme une idée précise de ce que je veux. Là. Puis comme vous aimez aussi les vlogs de rangement et de ménage, je pense que ça va être un super beau makeover à filmer. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous pour pas manquer ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye!